Yo la famille, j'espère que vous avez bien une nouvelle vidéo avec Younes et avec Myriam. Yo! Donc aujourd'hui, vidéo assez particulière, j'ai un gros défi pour Myriam et pour moi. Non, toi ça est un gros porc tous les jours, il mange tous les vidéos, il mange, ça va être Myriam aujourd'hui. Oh, pinaise que c'est bon! Elle aura 5 minutes pour manger toute la journée. Venez dans la cuisine, je vais tout vous expliquer en détail, c'est parti. En gros, tu vas avoir 5 minutes pour préparer tous tes repas. Tu devras poser le repas ici, j'arrêterai le temps, donc 5 minutes dans toute la journée. Que ce soit froid, chaud, j'en ai rien à foutre, c'est votre problème. Le but, c'est d'avoir 5 minutes pour manger tous ses repas de la journée. Mais attends, est-ce que Younes peut m'aider à cuisiner parce que moi, je ne sais pas cuisiner? Il peut t'aider et en vrai, c'est toi qui vas décider. Il peut t'aider, il peut participer, mais c'est toi qui décide. Mais sache que tu as 5 minutes et 5 minutes pour vous deux, c'est pas cumulable. Et toi, tu feras quoi? Bah moi, je suis l'arbitre. Si on a un, il triche, vous allez voir. Bon, vas-y, c'est parti, tapisser votre stratégie là. Écoute-moi, t'es ma petite sœur. Mmh. Si je crie ou je suis méchant, c'est pas contre toi. C'est pour aller vite parce qu'on a que 5 minutes pour manger aujourd'hui, ok? Là, c'est le petit déjeuner, faut qu'on aille hyper vite, on dépasse pas les 45 secondes. Est-ce que t'es prêt? Vas-y, assieds-toi. C'est bon, juge, on est prêt. 3, 2, 1. Ok, ramène un peu le temps dans le truc comme ça. Je prends du cuillère. Ok, pour le matin, on va prendre des cuillères. Ok, donne. Va dans, prends du lait. Du lait dans le frigo, du lait dans le frigo. Une organisation, t'as peur. Tac, hop, leader. Ok. La pire organisation du monde. Je vais mettre les calopes, je mets les calopes. T'as pris les kinders? Ouais, j'ai pris les kinders, j'ai tout pris. Pose les kinders là-haut dans le comptoir. Vite, pose les kinders dans le comptoir. Ok, c'est carré, je mets un peu de lait. Tac, hop. Vous avez utilisé 30 secondes de votre temps. C'est bien ma soeur, je suis content. Check. Bon, pour vous résumer, on a pris des gâteaux et des Kellogg's. T'as dit quoi? Il manque un tout petit peu de lait. Ok, je suis désolé ma soeur, mais on avait que 30 secondes. Et là, à midi au soir, on est bien. Vous avez gaspillé 30 secondes pour ça? Bah ça va, c'est bien. Bien. Bon, du coup, moi je prends ça, c'est pour toi. Merde, on a fait une dinguerie Myriam. J'ai rien préparé pour moi. Tu peux vite refaire? Non, bah c'est mort, c'est impossible. Il reste 2 minutes. Donc cet andouille, il a préparé un petit déjeuner et pas le deuxième. Bien. Aïe, je vais manger de la Myriam. Vas-y, mange. Dis-moi si c'est OP. Ça va. En vrai, 30 secondes, c'est pas mal. Il nous reste grave du temps. Ah bah là, on a les Kinder Coco. Les Kellogg's, c'est nos céréales préférées en ce moment. Les trésors comme ça, là, c'est les préférés. Après, je vais vous en montrer d'autres. Sont pas mal. Il y a de la noix de coco vraiment. Sinon vous avez ceux-là, les muesli, c'est super bon. Bon bah on va manger, enfin tu vas manger tout ça. Je peux vraiment rien manger. Si. Ah yes, prends quoi? C'est des gâteaux de la race. Bon amis, vous êtes nombreux à me demander comment vous faites les montages sur TikTok, sur YouTube, vous faites tout en même temps. Les frères, cette vidéo elle est sponsorisée par Filmorago, je suis grave content parce que j'utilise ça et c'est de la bombe atomique. Avec votre téléphone, vous n'avez pas besoin d'ordinateur, vous allez pouvoir faire des montages TikTok, YouTube, Snap, tout ce que vous voulez, que ce soit vidéo, foot, vlog, gaming, tout ce que tu veux. Alors vous allez sur votre store, vous tapez Filmorago comme ça, vous allez avoir la petite application. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas d'aller sur leur application ici et vous donner votre avis si vous aimez bien ou pas pour que les autres gens puissent télécharger grâce à vous. Ensuite, on va ouvrir l'application. Donc c'est une application de montage, vous allez pouvoir faire tout avec votre téléphone, c'est de la bombe atomique. Vous allez ici sur le menu, il est super simple, vous avez 3 jours d'essai gratuit. Vous faites nouveau projet, vous mettez la vidéo que vous voulez. Par exemple, moi je vais mettre une vidéo où on est au magasin avec Sofiane. Je fais importer et là, c'est comme l'ordinateur, vous allez pouvoir faire tout ce qu'il faut pour faire vos montages. Alors, votre vidéo est là, déjà vous allez mettre du 1080p, c'est une des meilleures qualités, la famille. Hop. Ensuite, vous allez pouvoir faire toutes les options que vous avez disponibles sur l'ordinateur. Mettre de la musique, une bande-son, mettre un effet, regardez tous les effets qu'il y a, l'effet message. Vous avez vraiment tout. Vous avez extraire aussi. Vous pouvez extraire de la musique d'autres vidéos et les mettre sur cette vidéo-là. C'est vraiment incroyable. Vous pouvez enregistrer votre voix. Vous pouvez aussi rogner. Si par exemple c'est trop long, hop, je baisse le début, c'est encore trop long, hop. Comme un téléphone, comme un ordinateur, c'est vraiment incroyable. Et pour finir, si vous n'avez pas de vidéo sur votre téléphone, vous allez pouvoir vous filmer. Et ça, c'est vraiment super. Donc en caméra normale, en caméra de l'autre côté. Voilà, je suis en train de filmer Yacine qui est en train de me filmer. Salut Yacine, bien ou quoi? Et vous allez pouvoir mettre tous les effets visage, les effets beauté, tout ça. Donc je vous mets Filmorago dans la description. Allez vite la télécharger si vous voulez devenir youtubeur ou tiktoker ou ce que vous voulez. Bon vas-y, je vous laisse faire votre plan là. Écoute. On va faire des tacos. Mais il va falloir garder du temps pour ce soir. Donc encore une fois, si je te crie dessus, je t'aime. Mais je vais devoir crier pour gagner un maximum de temps. On est prêt mon frère. 3, 2, 1. Ok, garde-le. Vite. Mais dépêche-toi, pour l'instant prends le reste, tu veux masser. Ok, go.
Ok, c'est carré. Maintenant, on va faire un tacos. Ok, tu veux un tacos? Tu veux bah, des choses à te dire. Un dessert. Ok, je vais mettre ça, ça va remplacer la sauce fromagère. Let's go. Ok, on va mettre un peu. Tu vas prendre des chips. Oh lolo. C'est pas possible d'être comme ça. Des chips, ok, carré. Vas-y, prends la boisson. Allez où? Ok, on a pas le temps pour le prendre. On va mettre le cordon bleu. Du fromage. Ils font n'importe quoi. Et prends un dessert. Ça fait combien de temps, frère? Il reste 3 minutes 44. Ok, on va fermer le tacos. On va le mettre dans la machine. Allez, go. On va s'occuper des desserts. Ok, paquet de chips. Donne-leur. Ça va accompagner les tacos. Hop, le dessert. Il est là. Ok, il nous manque que le tacos. On a oublié, regarde, des frites, des chips, un tacos, Kinder, la boisson. 10. Ok, il va falloir que ça chauffe. Combien de minutes? Il reste 3 minutes 15. Ok, ça va, c'est carré. On va cesser encore 20 secondes de cuisson. On a un bon tacos et après pour ce soir, on fera un bon truc, ok? On n'oublie rien. Eh, vérifie qu'on n'oublie rien là, vérifie. Ils sont débiles, hein. Vérifie. Toi, arrête de parler avec moi. Le ketchup, on peut le mettre là. Tac. Est-ce que le tacos est prêt? Bientôt. 2 minutes 50. On n'oublie rien? Ah là, la stratégie du taco, je crois pas que c'était la bonne stratégie. Oh, ça prend du temps, mais débrouille-toi! Combien de temps il reste? 2 minutes 40. Ouais, c'est bon, mais vraiment, on n'a pas le temps, désolé. C'est bon, top. 2 minutes 44. Aïe. Ça va pour ce soir. En vrai, ça va. Ils vont manger cru. En vrai, ça va. Mais toi, encore une fois, tu vas manger quoi? Mais on va partager, frère. Ah bien. On a pas. Dis-toi, pour une personne, c'est dur. Pour une personne, c'est dur, alors imagine pour deux. Viens, on commence par les chips, le temps que ça refroidisse. Vas-y. On commence par des petits chips. Attends, on va mettre du ketchup dessus. Non. Mais si, oui, ça passe. Non. Attends, toi, tu connais la recette. Est-ce que tu connais la nouvelle recette? Les chips à l'oasis. C'est incroyable, ça, regarde. Tu mets un... mettez des chips à l'oasis. Non, pas de chips à l'oasis, ça passe. Non, je bois l'oasis. Tu sais que ça, c'est comme des frites, hein. Je vous promets, c'est archi bon. C'est une... Ah. C'est un délice. C'est dégueulasse. Attends, goûte. Si c'est dégueulasse. Chips à l'oasis. Frère. Ouais. Goûte une chips à l'oasis. Juste dis-moi si c'est dégueulasse, vraiment. Ouais. Tiens. Elle ment pas, c'est une enfant, c'est pas comme moi, elle dit la vérité. Un goût de frites ? Voilà ! Je t'ai dit, je le faisais quand j'étais petit, quand j'étais un microbe. Écoutez-moi. Vas-y. Elle a une mauvaise influence, cette petite. Lui, il donne des mauvaises influences hein, avec ces mélanges bizarres là. Elle fait des frites, des chips à l'oasis, wesh. Tiens, goûte maintenant. C'est extraordinaire. On va le partager. Tu tapes d'abord un croc ou d'abord moi? Je te laisse taper ton croc d'abord. Non, d'abord toi parce que c'est chaud. C'est même pas chaud. Alors, t'es bon? Ah, fait chaud. Voilà, je t'avais dit. C'était pas chaud et en fait, c'est grave chaud. Non, en vrai, voilà, le cordon bleu dans tacos, c'est archi bon. T'es pas vu? Vas-y, tape ton croc, je te promets, c'est archi bon. Est-ce que c'est chaud? Je peux dire bi. Franchement, vite fait, c'est ça. Elle a raison parce que c'est chaud. C'est mon gueule. Ah, c'est le meilleur tacos, vraiment. Et ça là, si, celui qui m'a... si c'est pas bon, hippopotame en Kinder. Ça va, skip. Il y en a grave, ils ont dit sur Snap et tout, c'était grave bon ça. Oh, c'est un petit bonhomme. Attends, je vais le recouper. C'est bon, vas-y, découpe-lui sa tête là. Je lui découpe sa tête? D'abord sa tête ou d'abord. C'est un hippopotame. La tête. Une vraie famille de gros. Il est parti avec le paquet, Miram elle est partie suivre en courant. Bon bah la famille, on va aller à Sport Direct, le meilleur magasin, c'est vraiment pas cher, vous achetez des cadeaux. Parce que sur la chaîne avec Yacine Food Family, on va vous faire des cadeaux, vous allez voir. Prochaine étape, on va vous choisir des crampons. Moi personnellement, je leur dirais peut-être des Nike. Mais l'entraîneur, il a dit, ils font du combien déjà? Du 39. Donc on a quoi? On a tout cela, la famille. Vous aurez pris quoi, vous? Moi, je pense que j'aurais pris celle-là. Faut venir vous abonner sur la Food Familia si vous voulez voir comment on va les faire gagner aux abonnés. Ça va être incroyable. Et la paire de crampons, elle est exceptionnelle. Même moi, je ne l'ai pas pris. Elle est trop, trop belle. Regardez-moi ça. C'est du 39, je crois. Normalement, ça devrait le faire. Il leur reste 2 minutes 44. Vous êtes prêts? 3. Wow. 2, 1, c'est parti. Ok, prends les accessoires du frigo. Je prends le pain de mie. Oh, t'en veux combien? J'en veux deux.
Ok, go, ramène la sauce. Ramène la sauce. La tête qui tourne. Et ta gueule. Vraiment désolé. La sauce. Faut ramener la sauce. Allez. Yassine, la gêne pas. La gêne pas, hein. Arrêtez-vous. On va mettre des croque-monsieur, la sauce. Après quoi, Pour les desserts. Ramène pour les desserts. Comment je sais pas viser ça. T'en mets deux et deux, ça va. Combien de temps, monsieur l'arbitre? Il reste 2 minutes. Ok, c'est carré. On va prendre du fromage et mental. Mais putain, mais ouvre-la bien la boîte. Dépêche-toi, sinon t'auras pas de croissant, vraiment. Hop, on envoie ça à la machine. 1 minute 50. Non, t'as pas. Elle a pas tapé, hein. Elle a fait ça. Ok, c'est bon, croissant. La boisson en boule. Oui, attends, je vais te donner. Aussi. La boisson. 1 minute 30. Et... Encore le coup. Ah, viens. Une assiette. Mais pousse-toi, les assiettes. Elles sont pas là. Oh oui, merde. Dépêche, une assiette. 1 minute 20. Vite. Faut qu'on prépare un gros repas, pas un truc de schlag. C'est carré, encore un peu. Alors on va prendre croissant, tac, tac, ça c'est carré. Hop. C'est bon, tu veux rien de plus. Tu veux rien de plus, il reste 1 minute. Sa mère, un couteau. Je prends ça, Bien sûr. Top. Vas-y, hein. Moi je pense que le défi il est grave bien relevé. On a fait des croque-monsieur. Attends, je vais juste finir. Mais qui coupe des croque-monsieur avec un ciseau? Tout le monde. Ouais. C'est ce qui rend le croque-monsieur incroyable. Non. Voilà, là t'as des bons croque-monsieur. Moi je suis un vrai. Eh, Asim, il a triché parce qu'il m'a poussé, il me gênait. Ouais, à un moment t'as failli la faire tomber, hein, moi t'aurais défoncé. Voilà. Oh le hell-œuf. J'en ai vu des halleufs, hein, mais lui. Waouh! T'aimes pas les raisins? Putain, mais les 2024, vous me rendez ouf! Ça, c'est les bonbons nature. Et ça, il y a marqué Mimi! Et ça, t'aimes bien par contre? Ouais, c'était évident. Bon, ils ont bien relevé le défi. Mais la prochaine fois, ce qu'on va faire, si vous mettez 10 000 likes à cette vidéo, on refait un autre épisode. Cette fois-ci, c'est que Myriam qui s'en chargera. Elle aura seulement 4 minutes. 4 minutes et il y aura quelqu'un qui va cuisiner. Et pendant que tu vas cuisiner, on va faire du ça. On va jeter des œufs, on va faire des trucs de fou. Donc j'espère que ça vous aura plu. Like, abonne-toi, on vous laisse là. Ciao!